Father, please tell me a story. Once upon a time, there was a great and glorious king who lived in a beautiful palace. I think people will be blown away by what they see. D'un seul coup, j'étais porté par des personnages, des histoires incroyables. They mean to kill me, friend. New scripts came in and we all went straight to them and read the scripts to find out what happened next. Congratulations, brother. You are going to war. Ça représente le plus gros décor, je crois, que j'ai jamais fait en termes de construction. L'atelier, au bout d'un moment, c'était vraiment une espèce de ruche où tout le monde était au coude à coude. Au moins 500 personnes qui ont travaillé sur la série. I had never seen you in love before until you came to Versailles. La grande fiction, mais en même temps quelque chose de très moderne. What is a nothing doing at my court? It's about survival of the fittest. There's a lot of murder, there's a lot of deaths. It's got sex, it's got love, it's got violence. It's sexy and it's fast, then it's rock and roll. And they're all true stories. Bienvenue dans Versailles. C'était le jour de l'inauguration de la Galerie des Glaces à Versailles. Et Rodolphe Belmer, Canal+, et Hervé Chabalier, patron de Capa à l'époque, étaient là, discutaient ensemble dans la Galerie des Glaces en disant « Mais c'est incroyable, non, mais tellement beau, ce Versailles, il n'y a jamais rien eu là-dessus, ce ne serait pas extraordinaire de faire une série. » C'était il y a 5 ans, et c'est parti comme ça, quoi. Dès le départ, avec Canal+, on a évoqué l'idée d'être dans un ton volontairement contemporain et moderne. It is a modern story in many ways that happens to be set in the 17th century. Parce qu'elle se construit sur des intrigues et des psychologies de personnages qui, je crois, traversent complètement les époques. If I were to die, your life would be simple, would it not? My problems will never be solved. You know that. Tout ce qui est du domaine de l'émotion, c'est très moderne. En castant les rôles principaux, le roi, son frère, Henriette, on s'est aperçu très vite qu'il s'agissait de vraiment de jeunes personnes. Donc des gens de leur temps. If someone I adore fucks someone else without my express consent, is it not right and just for parity to be restored that I fuck someone of my own choosing? Moi, on me disait, mais tu fais quelque chose sur la cour de Louis XIV. J'ai dit, oui, mais c'est la cour de Louis XIV qui a rencontré les Sopranos. Welcome to Versailles. And the way that the political conflicts are played are much more in line with a House of Cards, Boardwalk Empire. Where is the child now? Out of sight. Very well, Fabien, do as you must. It was very, very easy to find modernity, and also in Louis' control of image. For him, communication was power. Appearance is everything. Everything! Versailles is the first global brand. I mean, he even had a logo, the Sun King. And he really was a sort of visionary beyond his time. I'm about to drag this country out of the darkness and into the light. We must build our own destiny right here. A new France will be born, and this palace will be her mother. C'était un dingue de communication. Il envoyait son portrait, un peu comme Sarkozy et Hollande envoient leur portrait dans les mairies. Il envoyait son portrait un peu partout en France. Il y a quelque chose que, je sais pas, qui est d'une certaine manière très moderne chez Louis XIV, extrêmement moderne dans son comportement. How very kind. What kind of man do you think I am? I think, along with David and Jalil, I said the most important thing I wanted to try and achieve in the series is to show how human this man was. Mother! I'm scared. And so the dreams and the visions in episode one that you see are sort of a way of demonstrating and sharing how his process worked and how he got to a place in becoming absolute monarch and creating this building. Internally, I talked a lot to Jalil about The Godfather and how Al Pacino operated in those films, especially in the first one, how he had to sort of rise to power. Bow to your king. Finding power was a real journey. I am
damn the state! I couldn't quite believe that someone like Philippe actually existed. Philippe, Duc d'Orléans. I thought they made him up. They described him as a 17th century David Bowie. He broke boundaries. You're an embarrassment to the king. Philippe is married to Henriette. Philippe is also a homosexual, so has a boyfriend, the Chevalier. So that in itself, the complexity of having the brother wife, who's also the king's mistress. I have never given you anything other than my love and respect. Is that what you say to yourself when you're fucking my wife? Someone has to! And when I met with Simon and David on my first ever meeting with them, they said that the show was called Versailles, but the show should technically be called The Brothers of Versailles. Parce que leur histoire est fantastique, il n'y a besoin de rien inventer. Vous regardez même l'histoire, ce qui s'est passé entre les deux, l'espèce de concurrence entre deux frères. You think it's hard to be a king? Try being a king's brother for a day. The heart of this show is always about Louis and Philippe, and when they're at confrontations, when they're at loggerheads, and when they're being brotherly. Are you with me, brother? Do you have my back? Where am I now? I think it's what a big factor of why people will enjoy watching the show is how these brothers interact with one another and where their relationship goes and ends up. Even a king cannot live the life that he would want to live. It is you who may live those moments for me. It is you who truly lives the life yearned for by a king. After all, what is it that men truly want? The answer is simple if you are a woman. Je crois que à la cour, la sexualité, en tout cas, c'était une arme pour les femmes. This is not a time for women. This is a time for men. But even the wisest king in the world can be rendered a fool by something so fair. You may never be a queen, but with that, you may live like one. Survivre à Versailles, c'est une tâche énorme. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humour. Il faut avoir des flèches bien empoisonnées. Il faut avoir le verbe haut. Mais si votre coffre est empty, je suis sûre que votre fille peut vous offrir une certaine sécurité. La beauté unlocks many doors. You of all people should know that firsthand, madame. And beauty without wit is merely vanity. They're all strong women, they're all fighting against whether it be each other or, you know, they're all fighting for something. There's kind of this solidarity between them, but there's also, you know, competition. What men do to each other? What we do to each other? Are we so harsh? Well, if war was run by women, what then? There would be no cannons. And far fewer balls. La place des femmes à Versailles était très importante. Elles étaient évidemment un peu dans l'ombre. Par exemple, mon personnage, qui est un personnage très fragile, très réservé au début, va monter en puissance. I already know what it is you want, and I cannot help you get it. Well, I'm sure I do not know what you mean. Think a while. You'll get there in the end. It's important that we portrayed it in the right way without it being too extreme or farcical. What's wrong? You're shaking. It really was very common for monarchs at that time or in court to have more than one romance going at a time. My lady. If you were the king, you know, it's sort of obligatory. Don't look so surprised. I've put many women to bed. Notre credo à tous, c'était le côté de la vraisemblance. Mathieu a vraiment joué le jeu parce qu'à chaque fois qu'il lisait, il nous disait « Bon, ben, je pense que ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais ça aurait pu se passer comme ça. » Ça m'a obligé, évidemment, à creuser comment on se comportait vis-à-vis des rois. Before we begin, sire... You will not address the king directly. I think he already has. J'ai été beaucoup plus regardant dans la série sur le personnage Alexandre Bontemps, parce que c'est un personnage sur lequel j'ai particulièrement travaillé. Pull up a chair. The protocol of the time was that only a king could sit in a seat next with arms. You are more than a king. You are my friend. And it sets us up for the whole series, I think. What Stuart and I found with those two characters really enables us to see they are in this story. Go home. Be with those you love. My place is with you. On a pris beaucoup de liberté avec
Bon, avec l'histoire elle-même, parce qu'on ne fait pas une fiction historique, hein. On fait une série. Action. People who wrote down the history of Versailles, of Louis, were employed by him. It's the Histoire des Gagnants. It's the history of the winners write history. So it's what Simon and I call the redacted history. It's the iceberg under the surface that we're interested in. You took my victory. So I take from you your pride. Your victory. Il y a plusieurs personnages qui ne sont pas historiques dans la série, que ce soit Béatrice, que ce soit Fabien, que ce soit Moncourt, que ce soit Sophie, mais qui ont été très bien sentis par les scénaristes. Il y en a un en particulier qui est une jeune médecin, Claudine. Et elle a un point de vue sur la médecine, sur la science, qui est complètement moderne. Why continue on the same course if there is no improvement? Why not change what is being done? They were very, very strong characters, unique, exciting, and also you're not expecting what's going to happen. You kind of know that Louis survives the show, but you're not sure about the others. You have failed me, Monsieur Marshall. Your continued presence in this court demands nothing less than absolution. Jalil est arrivé pour installer un style à la série qui était en collaboration avec ce que les showrunners avaient dans la tête. Jalil did the first two episodes. He's a wonderful director with a visionary style. I think it was crucial, mandatory, that a French director set the tone for the series and directed the first two episodes. You know, he put his stamp on it before the other directors took over. He is an actor's director. He kind of knows what you're going through. He knows what your process is. How can I have your back if you won't tell me the truth? There are some things you cannot know that only a king can know. De créer, entre guillemets, la série, c'est une responsabilité énorme et en même temps, c'est hyper exaltant. Donc j'essaie de pas trop penser à la pression que ça signifiait, mais plutôt d'amener mon... J'espère une sorte de fraîcheur là-dedans et j'avais envie de mouvement. Brother, I have your back. But what do I get? Respect? No. Power? No. Être capable de rendre compte de ses faces et de cette grandeur et en même temps être très incarné, très humain là-dedans, donc d'être très heurté même quand il le faut, de ne pas avoir peur d'être sale et voir que même de fermer les fenêtres et qu'on y voit moins. L'essentiel, c'est ce qui se raconte à l'intérieur du cadre et ce que racontent nos personnages. Donc voilà, c'était d'assumer pleinement qu'il s'agissait d'un show sur Louis XIV et sur les fastes aussi de Versailles et la cour de Versailles et en même temps d'en avoir un peu rien à foutre. As I mentioned to you before, the envelope should be completed around the entirety of the lodge. On tourne à peu près à 50% en studio et à 50% en décor extérieur, à Vaux-le-Vicomte, dans les jardins du parc de Sceaux et évidemment à Versailles. C'est quand même un privilège de pouvoir tourner dans ces décors. Nous ne sommes pas en studio dans un autre pays, quand même on tourne in situ. Now, on this job, I've never been so fortunate to have worked in so many unbelievable places. Look at your face. Your little face. Look at my little face. It's been the hardest thing not to just have my phone out taking pictures all the time. So I remember the first day we shot in Versailles. It was an idea of me doing a monologue in the Galerie des Glaces. We will build a new temple here, a royal tabernacle of the sun. The sun fell below the clouds. An orange light shone through all of the windows. They might all see the glory of France. There was just something really magical that will never happen again. We put George, our Louis, on this tile that Louis himself will have stood on. And it's very powerful. Thank you, Sire. Nos studios étaient à Brie-sur-Marne, deux très grands plateaux de 1000 mètres carrés chacun. Je crois qu'on a construit entre 2 et 3 mois. On devait être 150. Le parti pris qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire des très beaux décors, les chambres, les murs, etc., mais qu'on n'allait pas les meubler. Au début, quand je voyais que je partais dans un délire d'ornementation au mur, je me souviens avoir dit à Maddy, il faut que tu fasses très attention parce que là, c'est tout est en or, ça va briller. Il faut que tu fasses une création qui puisse coller. Et elle a fait ça sublimement bien.
The king invites you to a private showing of diverse suits of lace. Nous, on a cherché à trouver des solutions qui permettent d'avoir une réflexion plus moderne, qui était d'avoir des matières qui n'aient pas besoin d'être surchargées en broderie, en ce qui était le cas à l'époque, hein, c'était quand même très très bling bling, hein, pour être dans une relation à l'époque qui ne soit pas fausse, mais qui soit plus floue que cette période précisément. Pas question de faire de la reconstitution, il est question justement de sentir et d'interpréter en prenant l'essence de ce que l'apparence révélait en fait. The jacket fits well, sir. La lumière rentre par les fenêtres. Je pense que j'ai trouvé des choses où la partie non réaliste, c'est des choses de couleurs que je rajoute qui sont pas vraies, que je n'aurais pas fait si j'étais obsédé par les références picturales de l'époque. Et ça m'arrive plusieurs fois de faire des lumières et d'éteindre. I think it helps to highlight the underworld of all these characters and what's really going on down inside them rather than the superficiality. Shall I order the workers back to the scaffolding, sir? On a construit des échafaudages sur deux étages, et à partir de là, les effets spéciaux qui se passent au Canada font ça, font des multiplications d'échafaudages, donc augmentent les valeurs selon les épisodes. She'll host a grand entertainment to be seen by the world. Dans cette série, on l'a vraiment conçue pour Canal+, bien sûr, et pour le marché international. What we do here resonates throughout the world. If Louis was alive today and he was creating Versailles, he would be doing it in English. You are the king of our future. He knows that communication is power, and he would want the maximum number of people possible in the world to see. For me, personally, it's not only a French story, it's about a king who's a quarter Italian, who's married to a Spanish woman, whose brother is married to the sister of the King of England, who's also English. It's a story about Europe. I see you as a very different kind of man. Born in a new age, born perhaps years ahead of all who love and follow you. There's nothing else on television like Versailles. Je pense que les gens vont être très 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 surpris par ce qu'ils vont voir. Je pense qu'on n'aura jamais vu le XVIIe siècle filmé sous cet angle et avec cette immense modernité et qu'on a voulu situer dans peut-être le plus beau palais du monde. Versailles, avant Versailles, personne ne l'a jamais vu. The set and the costumes are amazing to look at. The characters are so rich. You can't believe that these people existed. I'm blown away. You know, you work on a job for 6 months, at some point maybe you become that blasé actor where you're sort of, we're filming in Versailles again. It's never happened. You are welcome at my court. J'ai pas besoin de dire aux gens qu'il faut la voir, parce qu'ils auront envie de la voir. It feels warm when the sun shines. But believe me, as soon as he's done with you, all the lights will go out.